Alors, donc on démarre de chez Europcar, je vais remettre le GPS. Et puis voilà. Hop, allez, on quitte la ville. Alors ça fait bizarre de ne pas avoir de voyant là sur le tableau de bord, mais faisons avec, on n'a pas le choix. Alors c'est par où? C'est par là? Ouais, par là. Donc par rapport aux modes que j'ai installés, donc les modes de trafic par GSI4, donc normalement on devrait voir de nouveaux véhicules sur la map. Donc que ce soit les voitures, que ce soit les camions qui roulent, les nouveaux bus, voilà, normalement justement on va le voir ensemble, normalement il doit y avoir plein de nouvelles choses. Et ça, ça va faire plaisir, parce que il y en a marre de voir tout le temps les Mini Cooper en voiture. Et alors toi tu me laisses passer ou pas? Ouais, voilà, par exemple là c'est une BMW, vous voyez. Donc, a priori le mode fonctionne, donc ça je suis plutôt content. J'espère qu'on va avoir des beaux camions et des beaux bus, parce qu'on le verra un petit peu mieux que les voitures. On n'a pas de chance, il fait un peu nuit, donc pour voir tout ça du coup ça tombe plutôt mal. Mais bon, ne vous inquiétez pas, par la suite on aura forcément l'occasion de voir tout ça. Eh ben il fait de l'orage mon petit hein. Donc là j'aurais eu le mode réalistique brutal. Je pense que la pluie ça aurait été beaucoup plus vénère que ça. Là c'est relativement calme, on va dire, parce que c'est le jeu de base. Bon, ça déjà quand même pas mal fait. On va dire que ça va. Hop, allez, on quitte la ville de Lyon. C'est parti. Comme d'habitude, l'objectif, pas avoir d'accident. Ça, c'est primordial pour la société. D'accord, le camion, j'ai l'impression qu'il a pas tourné. Bon, bref. On va voir. Ça, allez. Peut-être moi qui rêve. Je sais pas. Ça fait quelques jours que j'ai pas joué au jeu. Alors, du coup, c'est peut-être pour ça. Peut-être j'étais à 70 dans Lyon. Là. Oulala. Allez, c'est parti. Donc là, le camion qu'on croise, voilà, il a sûrement quelque chose. Mais bon, j'arrive pas à lire ce que c'est. Puisqu'il fait noir, mais bon, ici qu'il fasse jour, peut-être on y verra un peu mieux. Ah, il y a un souci niveau volant. Ah, c'est la pluie peut-être qui me fait glisser. J'en sais rien, mais il y a un truc qui est différent d'habitude. Hein. Ah, il n'y a pas photo. J'ai l'impression que quand je tourne, ça réagit pas. Je me méfie alors. Parce que là, l'accident est imminent. Alors donc ouais, bah pour commencer déjà, au niveau de la chaîne YouTube, donc un petit peu de changement depuis les derniers épisodes. Donc j'ai lancé, je sais pas si vous avez vu, pour ceux qui suivent, une carrière, alors c'est pas une carrière suivie, hein, c'est juste une carrière sur le jeu de mécanique Car Mécanique Simulator. Voilà, c'est un jeu que je jouais plus et qui m'a fait envie, donc voilà, je lance une petite carrière dessus. Alors c'est une carrière sans prise de tête hein. c'est pas un réel suivi comme ici sur Euro Truck, je le pousse beaucoup plus loin, c'est vraiment et encore hein, je peux pas le pousser à fond puisqu'il y a des trucs que je peux pas faire, malgré que j'essaie de faire un maximum pour que ce soit réel. J'ai même de nouveaux projets par la suite que vous allez voir arriver dans les prochaines semaines. Des trucs qui vont faire vraiment réaliste et voilà. Bon, j'en dis pas plus encore une fois. Je vous expliquerai ça en temps voulu. Mais ça concernera vous les abonnés justement. Donc soyez attentifs à ce qui va se passer. Parce que vous serez plus important que vous ne le pensez dans la carrière. Et franchement ça me fait super plaisir parce que si je peux vous faire participer d'une manière, bah c'est cool. Parce que ça me fera donner en plus envie de jouer au jeu. Et ça changera rien pour moi, ce sera même que plus plaisant pour tout le monde. Donc c'est nickel. Voilà, donc ça c'est une des annonces qui va arriver dans les prochaines semaines. Donc là à savoir qu'on est fin de semaine dans le jeu, donc on est vendredi. Il nous reste donc toute la journée du vendredi à faire et la journée de samedi. En partie, je ne sais pas si on la fera en entière, mais on arrive bientôt à la fin de notre première semaine de travail.
Donc, qui dit fin de la première semaine de travail, dit, comme je vous avais expliqué dans des vidéos d'avant, il y aura un suivi d'entreprise. Donc, je vais vous expliquer, et c'est là que je vais commencer à mettre en place mon système, et qui va même vous servir à vous par la suite, vous allez voir. Voilà, donc restez à l'écoute et suivez la carrière tout simplement, vous avez que ça à faire, je vous en demande pas plus pour le moment. Après, par la suite, voilà, vous aurez des autres choses à faire, il faudra entre guillemets peut-être jouer le jeu si vous voulez vraiment donner votre avis et faire partie du truc. Mais je vous dis, je vous annoncerai ça quand on y sera. Pour le moment, on est sur la fin de la première semaine, donc on peut pas encore. Je peux pas lancer le truc tout de suite. Et il me faudrait, je pense, un petit peu plus de monde qui me suive, en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça là-dessus. Voilà, c'est aussi un petit peu ça le changement qu'il y a sur la carrière, enfin sur la chaîne, c'est que j'ai un petit peu plus de monde qui me suit, donc ça me fait super plaisir. J'ai. Alors là on va se méfier parce qu'avec la flotte ça peut bien glisser. Non c'est bon. Tiens bah voilà, un mode de bus là qui est devant. Donc voilà, ça doit être un des bus du pack de GZ4. Voilà, c'est un bus Transdev apparemment. Enfin je pense que c'est le. Ouais c'est ça, c'est Transdev, donc c'est cool. On a les vrais noms de société sur les puces et tout, ça fait plaisir. Donc ouais, c'est là que je voulais en venir pour ça. Donc un petit peu d'abonnés se sont abonnés à la chaîne, donc ça fait super plaisir honnêtement. J'ai de plus en plus de vues sur les vidéos, que ce soit sur ETS ou que ce soit sur la carrière de mécanique là, justement. Donc c'est plutôt cool. J'ai pas vraiment de retour encore sur les commentaires, mais bon, je me dis que ça arrivera dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc tant mieux, comme ça je saurai davantage ce qui vous intéresse et ce qui vous intéresse moins. Alors les abonnés que j'ai principalement à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, ce sont des abonnés que je. Enfin, ce sont des personnes que je connais. Donc voilà. C'est surtout à eux voilà, que je voulais dire un grand merci quand même, parce que ils vont contribuer à peut-être m'aider à me lancer. Et franchement c'est cool. Je les remercie vraiment là-dessus. Puisqu'ils sont pas obligés de le faire hein, à la base. Mais voilà, c'est pareil, je leur réserve pour ces personnes-là, je pense qu'elles se reconnaîtront. Hein. Je vais pas citer les noms parce que j'estime que pour le moment j'ai pas à citer de nom. Par la suite, si elles me donnent la permission et que de toute façon vous verrez que par la suite on sera obligé entre guillemets de citer les noms, puisque j'envisage. Mais ce sera pas. Voilà, il n'y aura pas de. Vous les verrez pas en personne. Il n'y a pas de souci là-dessus, ce sera juste un prénom. Vous ne pourrez pas savoir de qui il s'agit. Malgré que par la suite, peut-être que vous pourrez interagir avec ces personnes. Je verrai comment tout ça va se lancer après derrière. Voilà, donc pour ça, voilà, un grand merci à ces personnes-là. Donc ça fait plaisir et voilà, je ne vous oublie pas. Vous inquiétez pas, vous aurez votre moment de gloire dans les vidéos, j'ai envie de dire. Et par la suite, donc les abonnés autres, personnes que je connais moins, quoi, on va dire, les personnes qui viendront extérieures à mon groupe que je connais, bah par la suite, c'est pareil, de fil en aiguille, je pourrais vous connaître parce que donc voilà, selon ce que j'envisage, vous pourrez interagir avec moi et mes comparses que j'ai cités avant. Voilà. Vous allez me dire, ah fais chier, on voudrait savoir ce que t'as prévu et tout. Bah non, désolé, je peux pas en parler pour le moment. C'est encore un projet qui est bien mûri déjà, qui est bien décidé. Mais voilà, il faut encore que je peaufine deux trois petits réglages pour que ce soit encore mieux. Et ça sera nickel à ce moment-là. Donc voilà. Donc ça c'est fait, voilà c'est dit, j'ai plus à y revenir pour le moment. Maintenant on va pouvoir se concentrer sur notre livraison de camion. Parce que on a encore un petit peu de route à faire, 216 km. Donc j'ai fait, ouais voilà, j'essaie de me rappeler ce que j'avais à dire. Donc j'ai énuméré l'histoire des modes, j'ai énuméré donc, les remerciements, les projets. Les nouvelles choses qu'il y a eu sur la chaîne. Il me
semblait que j'avais encore un autre point à dire en vidéo, mais je vous avoue que ça m'est un peu échappé. Alors ça me reviendra peut-être d'ici la fin. Non, j'ai un doute. Tant pis, c'est pas grave, ça me reviendra. Et puis si c'est pas dans cet épisode, bah, ce sera dans le prochain. Ouais. Donc j'ai laissé les épisodes, hein, comme j'avais dit, je crois, l'épisode d'avant. Les épisodes coupés en partie. Ah si, voilà, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Vous voyez, c'est moi, ça c'est normal. Ouais, donc comme je disais, j'ai laissé les épisodes coupés en partie de moins de 15 minutes. Donc je pense laisser ce concept-là pendant encore un bon moment. Parce que même pour moi, c'est plus facile pour m'y retrouver. Et puis même pour vous, je trouve que c'est... Je sais pas, c'est... Ça fait, voilà, je vous avais expliqué, ça fait des vidéos moins longues à regarder. Moi, je pense que vous pouvez y trouver que votre compte au final. Et pour vous, ça change rien. Franchement, vous ne loupez rien, ce que je vous avais expliqué. Donc, voilà. Après, vraiment, dites-moi si ça vous gêne que ce soit coupé. Si c'est vraiment gênant pour vous. Vous supportez pas d'avoir des vidéos coupées, qu'il va falloir que vous cliquiez sur la partie 2, la partie 3, etc. Bah, dites-le moi, parce que maintenant, je peux faire les vidéos plus longues. J'ai trouvé le système. Puisque Car Mécanique, par exemple, je ne coupe pas les vidéos. Je l'ai fait d'un trait, parce que voilà, c'est plus des vidéos fun entre guillemets. Et j'ai pas envie de faire de coupure là-dessus, il n'y a pas de suivi réel comme là-dessus, malgré qu'il y en a un, hein. Mais c'est moins poussé. C'est pas prise de tête. Toi, tu t'es déporté, c'est bon. Ok. Donc oui, ce que j'ai retrouvé, voilà, que je voulais dire, et ça je pense que vous avez pu le remarquer, j'ai créé les petites miniatures des vidéos. J'ai mis des miniatures pour chaque vidéo différente. Donc comme ça, même pour vous, c'est plus facile, je pense, sur YouTube pour retrouver les vidéos qui vous concernent. Genre, vous regardez l'épisode numéro 2 de la carrière ETS. Bah, vous savez que voilà, l'épisode 2, c'est le Mercedes rouge en miniature. Voilà, il y a marqué 1 sur 2 et 2 sur 2, je crois qu'il y a deux parties pour cette vidéo. Vous savez que vous avez deux vidéos à regarder avec le Mercedes rouge. Voilà. Et j'essaie donc de vous mettre un camion différent. Pour le moment, bien sûr, par vidéo, voilà. Il n'y a pas, enfin, oui, par épisode, en fait, voilà. Par vidéo, vous pouvez vous retrouver avec trois ou quatre camions de la même photo, parce que voilà, ça fait partie du même épisode. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal. Enfin, moi, je trouve que ça me plaît bien. Donc, j'espère que vous aussi, voilà, j'essaie de mettre différents camions en photo. Hein. Je ne privilégie pas une marque plus qu'une autre. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, franchement, j'ai aucun souci avec n'importe quelle marque dans le jeu. J'aime bien toutes les marques, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, dans la carrière, vous verrez qu'on aura toutes les marques de camions. Je n'en ferai pas travailler une marque plus qu'une autre. Ça, c'est un de mes objectifs personnels. Voilà. Parce que c'est bien. Voilà, donc on commence à refaire jour. Donc on croise de belles voitures dans le jeu. Donc c'est cool aussi. Le mode fonctionne super bien. Les bus, voilà, on a déjà vu plusieurs. Au niveau des camions, on en a vu un petit peu moins par contre. Mais bon, ça finira par arriver, je pense. Mais les voitures, en tout cas, ça fonctionne, c'est sûr. Voiture et bus. Il n'y a pas de souci. J'ai pas fait attention si on avait croisé de camions remorques, mais pour le moment ça n'en a pas l'air. Il y a même des voitures que je sais même pas ce que c'est. Parce que honnêtement, je connais pas toutes les voitures. J'en connais déjà bon nombre, mais je les connais pas toutes.